Bonjour, je vais vous présenter Pico8, une fantasy console. Pour cela, je vais vous expliquer le concept de fantasy console. Plus particulièrement, je vais vous présenter Pico8, qui est l'une d'entre elles. Je vais vous montrer son environnement intégré. Je vais vous présenter ce qui m'a le plus plu et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, à savoir le développement qui permet de se concentrer sur l'essentiel. Et pour terminer, je vous montrerai qu'en fait il s'agit d'une console virtuelle, mais qu'elle a quelques incarnations qui fait qu'elle n'est pas si virtuelle. Donc une fantasy console. Donc le terme fantasy console a été utilisé par Joseph White. Donc, qui est l'inventeur de Pico8. Selon ces termes, il s'agit d'un émulateur d'une console qui n'existe pas. Donc, il y a plusieurs consoles qui ont suivi le pas, donc, comme Pixel Vision, TIC80, Quadplay et Voxatron, qui ont chacune leurs avantages et leurs caractéristiques. Et je vais vous présenter plus particulièrement Pico8. Donc, l'idée derrière Pico8, c'est de fournir un espace confortable pour pouvoir designer des projets. Une autre idée qui est présente dans Pico8, c'est de développer des petites choses, à savoir que les petites choses comptent. Dans une optique de pouvoir coder et ensuite passer à autre chose, une fois qu'on a atteint un résultat qui nous convient. Le dernier avantage, enfin la dernière idée des Pico8 est de fournir l'ensemble de la vitesse fournie par la console directement avec le langage fourni par la console. Donc la vitesse est relative car c'est l'équivalent d'une machine qui tourne à 8 MHz, mais on accède directement à l'ensemble de la vitesse, à l'ensemble de la puissance de la machine avec les langages de scriptage fournis. Les spécifications, donc un affichage d'une résolution de 128 pixels par 128 pixels et de 16 couleurs. Le son, il s'agit de 8 oscillateurs répartis sur qu'on peut répartir sur 4 canaux. Donc le langage, c'est du LUA. Et la mémoire LUA est de 2 mégaoctets. On a aussi enfin, accessible en JavaScript ou sur Raspberry Pi un petit port GPIO qui permet de dialoguer avec le monde extérieur. Donc indéniablement, cela nous donne, enfin, cela donne à la console virtuelle un aspect rétro. Donc ça c'est la carte mémoire d'une cartouche donc, qui est de 32 kilos avec donc, les différents espaces pour enregistrer donc, les planches de sprite, les maps, la musique, et les effets sonores et divers états qui permettent le bon fonctionnement de la machine. Jusqu'à un espace qu'on voit tout en bas de 8 kilos qui contient en fait toutes les données d'affichage de la console. Donc, c'est une console avec un environnement intégré. À savoir, on a un éditeur de code LUA, on peut coder avec des glyphes, on a un éditeur de sprite, un éditeur de map, un éditeur de son, etc. Et on a même un petit shell. Et tout ça est accessible sur n'importe quelle console, juste en appuyant sur échappe, comme je viens de le faire. Et donc, on peut voir l'éditeur de code. Les parties où on peut coder avec des glyphes, par exemple j'appuie sur la touche qui monte ou enfin la flèche du haut ou la flèche du bas. L'éditeur de sprite avec diverses options pour faire du pixel art. L'éditeur de map où on peut assembler les différents sprites. L'éditeur de son
où on peut faire autant des bruitages que des extraits musicaux. Et pour terminer, l'éditeur de musique où on peut assembler les différentes pistes sonores. Et du coup, apporter un petit peu de son à la console avec différents affichages plus ou moins pratiques en fonction de ce qu'on a besoin de faire sur le moment. Donc Pico8 fournit pas mal d'outils qui fait que elle se suffit elle-même, mais l'éditeur est quand même un peu rudimentaire. Il faut réduire à faire entrer le code dans la fenêtre, c'est pas toujours évident. Donc pour ceux qui sont qui préfèrent vraiment utiliser un éditeur externe, c'est possible. Les fichiers sont accessibles en clair sur le file system, donc on peut aussi utiliser Git pour contrôler les sources et les partager sur GitHub par exemple. Au niveau de l'export, donc on a un export natif sur Linux, Mac, Windows et Raspberry. On peut aussi l'exporter en HTML. Et une petite touche intéressante aussi, c'est l'export en cartouche PNG. Donc n'importe quelle cartouche rentre en fait dans une image PNG. Donc par exemple ici, j'ai les slides de la présentation. Donc en fait, dans le format PNG, il y a un champ commentaire et le code et tout ce qu'il y a besoin pour la cartouche est suffisamment petit pour arriver à rentrer dans cet espace. Ce qui permet de partager directement les cartouches avec une image. Donc ces images peuvent être uploadées sur le BBS officiel. Donc voici l'adresse. L'avantage, c'est que toutes les cartouches qui sont uploadées sur ce forum donnent accès automatiquement à leur code, ce qui permet de voir comment les cartouches sont codées et les diverses techniques qui ont été utilisées par les autres développeurs. Et pour terminer, il y a un utilitaire qui s'appelle Splore, qui permet d'explorer en fait l'ensemble des cartouches qui ont été uploadés. Donc, coder l'essentiel. Donc, pour moi, le gros intérêt de Pico8, c'est les résultats qu'on peut obtenir assez rapidement. Donc, on peut venir directement avec une idée et on n'a pas à se soucier en fait de quel framework on va utiliser, quelle couche d'abstraction, parce qu'en fait, il n'y en a pas. On peut attaquer directement l'implémentation de ce qu'on a besoin. Donc il n'y a pas de magie. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Par exemple, donc je vous fais une petite démo. J'ai un véhicule qui s'affiche grâce à des voxels. Donc, on voit qu'il y a un petit problème, c'est qu'à un moment donné, la géométrie est mal affichée. Donc là, on aurait besoin par exemple d'un tri. Donc si on veut un algorithme de tri, on peut le coder soi-même ou réutiliser des morceaux de code qui ont été développés par d'autres développeurs. Donc en l'occurrence, moi j'ai utilisé deux algorithmes et j'ai pu comparer les performances. Donc on a un bucket sort et un algorithme de tri, un heap sort. Donc le heap sort donne des résultats forcément justes, mais est un peu plus coûteux en termes de performance. Donc voilà. Après, on peut aussi benchmarker ce que font les autres utilisateurs. Donc il y a une API simple, donc les instructions sont très courtes et permettent de contrôler l'ensemble des éléments que je vous ai présentés dans l'éditeur intégré. Donc le son, les images, les cartes. La structure est minimale, on n'a que trois fonctions fournies par Pico8, donc à savoir la fonction init, la fonction update et la fonction draw qui sont le seul squelette imposé par Pico8 et encore imposé pas vraiment car on peut les zapper ces fonctions.
même si je recommande quand même de les utiliser. Et pour terminer, la durée est fixe entre deux images. Donc, quel que soit le nombre d'opérations réalisées entre deux images, tant que ça ne dépasse pas la durée entre deux images, on n'a pas de changement de framerate. Par défaut, on a à 30 FPS. Il y a un mode où on peut utiliser à 60, mais du coup, on a deux fois moins d'opérations possibles par seconde. Ce qui évite de se poser, ce qui permet de simplifier en fait le développement des modèles physiques. Et la machine tournera toujours à la même vitesse, quelle que soit son incarnation. Donc tout ça permet d'éviter de se poser pas mal de questions et de se concentrer sur l'essentiel. Et ce qui permet de travailler vraiment le concept et la chose qu'on est en train de développer plutôt que galérer sur des détails. D'implémentation qui pourrait décourager. Donc moi je vois Pico8 comme une boîte de crayons qui est idéale pour débuter. On obtient des résultats assez rapidement, c'est assez ludique et très simple à mettre en œuvre. Mais pas seulement, pour le prototypage, c'est un excellent outil. Pas mal de jeux comme Celeste, Pico Racer ou Sleepways ont eu une première version en Pico 8 et ont été ensuite portés pour être déployés avec un meilleur rendu, un meilleur son et une meilleure expérience. Et c'est aussi un terrain idéal pour les D-Make. Donc récemment, il y a eu Poom. Poom est en fait un D-Make de Doom qui a été réalisé de manière assez surprenante. Et assez bluffante. Donc indéniablement, Pico 8 a un côté rétro, mais c'est du rétro tel qu'on pourrait le faire aujourd'hui. On code pas en assembleur, on code en LUA. On peut détourner le système, on peut utiliser les plages mémoire pour faire autre chose que ce pourquoi elles sont prévues. À première vue, on pourrait croire que en dehors de la 2D, on ne peut rien faire sur Pico 8, alors qu'en fait, on peut commencer à faire de la 3D pour peu qu'on maîtrise les mathématiques qui nous permettent d'y arriver. Et on peut avoir des systèmes de rendu assez intéressants, comme le sprite stacking, qui consiste à empiler des images pour donner un effet de volume, ou des algorithmes hybrides. Où on mélange différents systèmes de rendu, ce qui est assez intéressant. Un autre point qui fait que on va assez vite, c'est que en cas de problème, il y a pas mal de tutoriels et la communauté est très active. Donc on peut rencontrer des vétérans du jeu vidéo, comme Tom Hall, qui était chez ID Software jusqu'au développement du jeu Doom. Et des amateurs qui sont très 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 pointus. Donc un autre point intéressant, c'est les tweet cards. Donc quand il s'agit toujours dans l'optique de faire des choses petites et passer à autre chose, les tweet cards, c'est des algorithmes qui rentrent dans un tweet, donc à savoir 260 caractères, et qui permettent d'afficher des choses intéressantes. Et du coup, sur Twitter, on peut naviguer dans les tweet cards et regarder. Et regarder différentes astuces d'affichage et de rendu. La Démoscene est présente. Donc j'ai un petit peu de temps pour vous montrer. Donc une que j'ai choisie parmi plein, qui s'appelle White Hell in Benin par Matt Green. Voilà. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Et toute une palanquée de fonctions cachées comme la palette alternative, une sortie audio qui permet de faire des voix, enfin des sons samplés. Et certaines fonctions qui vont permettre d'accélérer le rendu, que j'ai qualifié d'accélération matérielle. Donc pour terminer, j'ai un exemple d'incarnation. Il s'agit d'une GPI case, mais il y en a plein d'autres en fait.
donc à l'intérieur duquel tourne un Raspberry Pi 0. Donc il y a la Game Shell, il y a Pocket Chip, il y a Pican, en fait, il y a pas mal d'incarnations virtuelles. Réelles, pardon. Je vous remercie beaucoup. Et pour terminer, voici une tweet card que j'ai réalisée il y a quelques temps. Merci à tous.